Comment se passe ton acclimatation en France? 팀에서 어떻게 지금 지내고 있나요? 생활하는 거요? 네. 뭐 훈련할 때는 뭐 선수들이 가끔 영어로 도와주는 선수들도 있고 이래서 훈련할 때는 재밌게 잘 적응하고 잘하고 있는 것 같습니다. Je m'amuse bien parce que ils m'aident beaucoup, ils m'ont aidé beaucoup en parlant en anglais. Du coup, et ça se passe bien. C'est un vrai changement culturel, j'imagine. Comment? C'est un vrai changement culturel, j'imagine. 문화의 차이점이나 이런 게 있네요. 어, 아시아랑 뭐 유럽 문화는 당연히 좀 차이가 있는 것 같고 그런 부분에서 저도 좋아하는 부분들이 많기 때문에 좀 적응도 잘 하고 있고 또 그 외적으로도 이 불어를 배우는데 좀 많이 시간을 보내고 있는 것 같아요. 불어를 배우는데 시간. 네. Apparemment, il y a la différence entre l'Europe et la Corée. Et il y a beaucoup de choses que j'aime bien à côté de l'Europe. Et je m'amuse bien. Je suis habitué à comment dire. Je suis habitué bien en apprenant le français ici. Donc oui, je suis content. Tu n'avais jamais joué ailleurs qu'en Asie, jusque-là, en Europe. Sur tes premiers, voilà, c'est sur tes premiers entraînements, mais aussi sur tes premiers matchs, comment tu juges, comment tu trouves le football ici et le niveau? 여기서 유럽에서 처음 경기 하셨는데, 그래서 윙으로 바꾸셨나요? 네. 그거 이제 어땠는지 첫 경기나 그런. 뭐 우선 첫 선발로 나가서 좀 긴장되는 부분들도 있었던 것 같은데 뭐 좀 경기를 하면서 좀 더 분위기를 빨리 파악할 수 있었고 또 제가 꿈꿔왔던 그런 무대였기 때문에 좀 하면서 좀 긴장도 풀리고 제가 할 수 있는 플레이들을 조금씩 할 수 있었던 것 같아서 기쁘게 생각했어요. Au début, j'avais trop la de la traque. Parce que c'était la première fois que je joue en Europe, en France. Mais au fur et à mesure, en jouant sur le terrain, j'étais assez déstressé, comment dire, détracté. Donc oui, j'étais très content de jouer en France. Et c'est quoi les premières différences que tu notes entre les deux footballs, le football coréen et le football français? 한국 축구랑 프랑스 축구랑 가장 큰 차이점이 뭐냐면 우선 뭐 공수 스피드에서 조금의 차이도 살짝 있는 것 같고 그 다음에 제일 큰 부분이 피지컬 같은 부분들이 가장 차이가 있는 것 같다고 느끼고 있습니다. J'ai remarqué que le premier c'était la vitesse de attaque et de attaquant et défendre. Et le deuxième, c'était au niveau physique. Et voilà. En vitesse, c'est plus rapide ici. En France, c'est plus rapide. Mais je me suis plus rapide que ça. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus rapide qu'en Corée. Il a été utilisé un soutien de Delors. Quel est son vrai poste? Comment? Quelle est sa vraie place au sein de l'attaque? En France? Position et place en position est d'une française. Ah, français ça? Bon, 지금 포지션은 왼쪽 사이드 공격수나 윙이요. 네, 윙이나 뭐 포워드 쪽을 좀 많이 보고 있는 것 같다. Je poste plutôt à l'arrière gauche ou attaquant centre. Comment elle s'est faite son arrivée ici à Montpellier? À quand remontent les premiers contacts avec le club et voilà pourquoi il a choisi de venir ici. Ah, 처음에 연락 받았을 때 몽펠리에서 어땠는지 그리고 처음 왔을 때 어땠는지. 뭐 처음 연락을 받았을 때는 너무 큰 기대를 많이 했던 것 같고 또 제가 꿈꿔왔던 이런 무대이기 때문에
좀 기대를 많이 했던 것 같고, 또 와서도 또 금방 선수들이랑 성수들이 너무 잘 다가와줘서 금방 적응할 수 있었던 것 같고, 또뭐 제가 꿈꿔왔던 곳이기 때문에 뭐 항상 운동하거나 경기를 할때 항상 즐겁고 재밌게 하고 있는 것 같아요. Au début, j'étais très content d'avoir le contact par l'équipe Montpellier. Et parce que c'était un stage que j'attendais beaucoup, dont j'ai rêvé depuis longtemps. Et du coup, et après, grâce à mes collègues, coéquipiers, et je suis bien adapté parce qu'ils m'ont bien parlé, ils m'ont beaucoup aidé, etc. Ouais. C'est l'Europe qui était son rêve ou la France qui était son rêve? France a comme Europe인지 아니면 꿈의 무대가 아, 프랑스였는지 아니면 유럽이었는지. 뭐 유럽 무대에서 당연히 뛰는 게 꿈이었고, 또 여기서 한국 선수들도 조금 프랑스에서 있는데 그런 거 보면서 프랑스 리그에서 뛰고 싶다는 생각도 많이 했었던 것 같아요. Peu importe l'Europe, France ou Angleterre, comme il y a quelques Coréens qui jouent en Europe, je voulais jouer ici également. Ils suivaient le foot européen du Corée, de la Japon. Ils connaissaient le club de Montpellier ou c'est avec les contacts qu'il a appris à connaître le club? Ou est-ce qu'il avait déjà entendu parler de Montpellier? Montpellier team에 대해서 이미 알고 계셨나요? 뭐 프랑스 리그를 접하면서 몽펠리에라는 팀을 알고 있었고, 뭐 우승했을 때도 제가 뭐좀 어렸을 때지만은 그래도 축구를 하고 있을 때여서 좀 기억하고 있는 부분들도 있었는데, 또 이렇게 좋은 기회가 됐고, 또좀더 그런 소식을 들었을 때좀더 자세하게 더 찾아봤던 것 같아요. Je connaissais déjà avant par rapport à l'équipe Montpellier et je m'en souviens bien que l'époque que l'équipe Montpellier a gagné en Ligue 1, du coup je me souviens bien. Et oui, voilà. Quel a été son parcours avant d'arriver ici? Alors, il y a ce qu'on lit, mais voilà, il semble qu'il a fait sa carrière essentiellement en Corée. Il est parti un petit peu au Japon. Ça s'est pas très bien passé. Est-ce que c'est le cas?한국이랑 일본에서 그 커리어가 잘 진행됐었나요? 잘 흘러갔었는지. 어떤 그냥 이제 뭐 경기가 잘 풀렸거나 뭐. 뭐 한국에 있을 때야 뭐 제가 뭐 언어도 잘 통하고 좀 편하게 했던 부분들이 있어서 뭐제 커리어에서는 뭐 좋은 방향으로 잘 흘러갔던다고 생각을 하고 있습니다. Oui, je pense que c'est bien passé parce que je parlais en coréen. Et c'était plutôt facile que ici. Donc oui, ça s'est bien passé. Au niveau Au Japon? 일본. 일본에서는 뭐좀 처음 외국 생활에서 좀 힘든 부분들이 있었던 것 같아요. Au Japon, c'était un peu compliqué par rapport à la Corée. Et qu'est-ce qui était compliqué? 뭐가 힘들었나요? 뭐 우선은 의사소통 부분들이 가장 크게 힘들었던 것 같고, 또 그런 생활을 처음 접하다 보니까 그런 부분에서 좀 힘들었던 것 같아요. Déjà au niveau de la langue, et vu que c'était la première fois que je joue à l'étranger, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Communique comment avec Michel là-bas derrière? Michel이라는 선수랑 어떻게 의사소통하나요? Michel? 미셸? 다자카랑 엄마 감독. 아, 감독님이랑. 뭐, 감독님은 그냥 뭐, 간단한 것들로 제가 움직임해야 될걸 알려주시고, 그리고 뭐 코치가 약간 영어를 좀, 그래서 저한테 좀더 도와주려고 좀 노력을 해주는 편인 것 같아요. L'entraîneur Michel, il essaye de parler tout ce qui est simple
genre ma gestion, Ouais, bien sûr. ma gestion ou tout ce qui est simple. Et c'est plutôt coach qui l'y aide. On parle en anglais. C'est bon? Merci. Merci. C'est bon?